Salut les potos, c'est Diego El Pitbull de Fait Toi. Bon, aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle manipulation les potos pour donner le don de véhicule. Donc l'ancienne marche toujours, mais là c'est sans PDG, sans club de motards, donc c'est pas mal je trouve. Il y a encore une méthode un petit peu plus facile les potos, mais je vous la sortirai pas parce qu'elle marche une fois sur deux et on peut pas savoir si ça a marché parce que le centre d'opération mobile ne despawn pas. Donc j'ai préféré pas vous la présenter. Celle que je vais vous présenter, elle est relativement facile les potos, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc pour commencer, donc celui qui reçoit le véhicule crée une session sur invitation, comme d'habitude. Il invite son poteau, une fois que le poteau est là, vous sortez tous les deux votre centre d'opération mobile. Celui qui reçoit le véhicule, donc moi, il va vous falloir un Fat Joe ou une Eligier H8 dans le centre d'opération mobile. Une fois que c'est fait, vous faites clavier interactif, centre d'opération mobile, demandez véhicule personnel. Une fois que tout ça est fait, vous montez dans le véhicule, vous dites à votre poteau de monter derrière vous. Donc là, vous n'êtes pas en club de motard ni en PDG. Une fois qu'il est derrière vous, lui, il va se mettre dans les charcasses des poteaux. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il va faire. Il va faire option. Il va faire 3 fois L1. Il va faire dans Play Store. Quand il va cliquer dans les Play Store, ça va le mettre dans les charcasses. Ok, les poteaux. Donc, lui, il reste dans ce menu jusqu'à quand que je lui dis de quitter. Donc, hop, c'est parti. Donc, moi, là, je vais faire... Lui, il est dans les charcasses. Je vais faire flèche de droite. Il descend. Option. En ligne. Activité. Joue activité. Créé par Rockstar, mission, un travail de titan. Vous avez vu le poteau, c'est pas dur. Il se met dans le... Lui, le poteau, se met dans les charcards. Une fois que vous le voyez descendre, quoi, vous faites flèche de droite. Une fois que vous voyez descendre, option, en ligne, un travail de titan. Vous avez vu le poteau, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc là, hop, je monte dans mon véhicule après. Donc lui, il va aller dans son centre d'opération mobile. Il va lancer un passe-temps, comme d'habitude. Donc les passe-temps, vous ouvrez le téléphone, activité rapide, passe-temps. Et vous lancez n'importe quel passe-temps. Donc votre poteau, hein, celui qui vous donne le véhicule, lance n'importe quel passe-temps. Une fois que le passe-temps est lancé, il vous invite dans le mock. Donc vous allez faire, vous allez ouvrir l'invitation du mock, comme d'habitude. Faire PS, aller dans la partie vocale et spammer X. Donc on attend son invitation. Donc là, j'ai reçu le message de l'activité. J'attends celui du centre. Il vient d'arriver. J'ouvre le message. Donc je reste sur le message du centre d'opération mobile, les potos. Là, je vais faire PS. Je vais dans la partie vocale sur le nom de mon poteau qui me donne le véhicule. Donc celui qui m'a invité dans son centre. Dans l'activité plutôt. Et je vais spammer X. C'est parti. Donc vous acceptez les messages d'alerte. Donc soit vous allez avoir directement un écran noir et spawn dans votre centre d'opération mobile, ou soit vous allez respawn sur le véhicule. Dans ce cas là il faudra attendre entre 10 et 20 secondes les poteaux, et vous allez avoir un écran noir. Si l'écran noir n'arrive pas, vous dites à votre poteau de vous réinviter dans son centre d'opération mobile, vous rouvrez le message et vous refaites la même manipulation. Donc moi là ça me paraît un petit peu long, on va lui dire de me réinviter dans son centre. Hop. Deux fois PS, je vais dans la partie vocale et je spam X. Voilà. Donc là, vous avez l'écran noir. Et voilà les poteaux. Le véhicule. Donc vous avez vu les poteaux, la manipulation, elle est vraiment pas compliquée. Hein. Donc là, je vais vouloir faire voir vite en 2-2 les poteaux. Donc vraiment, en vite fait, je vais vouloir faire voir. Donc pour bien que vous compreniez, comme ça, il n'y aura pas d'excuses. Donc pour commencer... Donc moi je vais avancer la vidéo pour pas que ça paraît trop long. Mais vous ressortez avec votre centre d'opération mobile. Vous le remettez côte à côte avec votre poteau. Vous refaites la manipulation de base. Hop. En tout cas, une grosse dédicace poteau à mes modos Diego et Eros. Parce qu'en ce moment, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils mettent vraiment les poteaux. Donc une grosse dédicace à eux. Vraiment une grosse dédicace à mon poteau Diego et à Eros. Voilà, hop, clavier interactif, Fat Joe. Donc là, mon poteau, lui, va remonter derrière moi. Oh, il a spawn où? Ah, il est là. Ok. Donc allez, c'est parti, mon poteau monte derrière moi. Il se met dans les charcards. Donc, option, 3 fois L1, Play Store. Une fois qu'il sera dans les Play Store, il sera automatiquement dans les charcards. Ok les potos. Une fois que c'est fait,
Vous vous rendez derrière le centre d'opération mobile. Vous faites flèche de droite. Donc là, c'est des beaux pleins. Donc vous l'acceptez, ça va switcher le véhicule. C'est pas grave. Ok. Ensuite, option. En ligne. Activité. Jeu activité. Créé par Rockstar. Mission. Un travail de titan. Donc le travail de titan, des fois, vous n'êtes pas obligé de le lancer. Moi, je vous conseille de le lancer les poteaux. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Vous quittez l'activité. Mon poteau me rappelle un véhicule. Donc il va me rappeler une moto par exemple. Une voiture s'il n'a pas de moto modée. Bon, je vais reprendre. Voilà, on va reprendre celle-ci, les poteaux. Donc hop, il va dans son centre d'opération mobile. Il va me raviter. Donc il relance le passe-temps. Une fois que le passe-temps est lancé, il m'invite dans son centre d'opération mobile. Donc lui, comment il va voir que le passe-temps a été lancé? Moi, je vais recevoir un message sur mon téléphone. Et lui, en bas à gauche, regardez les poteaux. Il va voir les secondes qui défilent. Et en général, à 14-15 secondes, ça va te marquer le nom de l'activité avec marqué 1 sur 2 ou 1 sur 4. Et à ce moment-là, il m'invitera dans son centre d'opération mobile. Regardez les poteaux. Hop, invitation de joueur au salon, bras de fer 1 sur 2. Une fois qu'il a ce message-là, il m'invite dans son centre. Ok? Donc moi, j'annule l'activité. Hop. Donc j'ai reçu le message du centre d'opération mobile, je l'ouvre. Je vais dans la partie vocale, sur le nom de mon poteau et je spam X. Hop, on spam X. Et voilà les poteaux. Donc voilà les poteaux, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Allez, à plus les potos, ciao ciao. Et un grand et une grosse dédicace à Diego les potos. Franchement, une grosse dédicace à Diego. Merci les potos. Allez, à plus, ciao ciao.